Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu n'as pas fini, tu es l'alpha. Tu vas continuer et à la fin de notre histoire terrestre, on te connaîtra comme l'oméga. Et ma Bible dit que quiconque espère en toi ne sera jamais confus. La confusion ne sera jamais le partage des rachetés qui croient en ta fidélité, en ton intégrité. La confusion ne sera jamais le partage de quiconque est connecté à cette fréquence spirituelle. Non, nous te rendons grâce. Nous te louons à crédit. Nous te célébrons à crédit. Nous te louons pour ce que tu as fait hier.
Mais pour 2021, nous t'exaltons à crédit, croyant et certain que celui qui a commencé une belle œuvre la rendra parfaite pour 2024. Tu crois qu'il est digne de louange, acclame-le, acclame-le. Est-ce qu'il y a au moins 120 témoins qui croient qu'il est digne de louange? Est-ce qu'il y a au moins 120 témoins qui croient qu'il est digne d'honneur? Est-ce qu'il y a 120 témoins qui croient qu'il est digne d'acclamation? Oh, le rocher de mon salut, qu'il soit exalté. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Au bâtisseur, à l'architecte de ma vie, amen. Au fondement, au rocher de ma vie, amen. On l'appelle le Christ en moi, amen. On l'appelle le Christ formé, amen. On l'appelle le Christ glorifié, amen. On l'appelle le Christ exalté, amen. On l'appelle le Christ couronné. Amen. On appelle le Christ bâtisseur. Amen. On appelle le Christ ma forteresse. Amen. On appelle le Christ mon avocat. Amen. On appelle le Christ mon bouclier. Connecté des extrémités de la terre et connecté en présentiel, que quelqu'un qui l'aime l'acclame, que quelqu'un qui l'aime l'acclame, que quelqu'un qui l'apprécie l'acclame, que quelqu'un qui est reconnaissant de ce qu'il est dans la barque de sa vie l'acclame. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous t'accueillons, nous t'honorons, nous te désirons, nous te réclamons. Tu sais combien nous sommes incapables, notoires, flagrants. Nous avons besoin de toi. Construis-nous. Bâtis-nous sur le roc, sur le fondement de la vérité. Délivre-nous de tout ce qui veut nous ramener à la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et la raison pour laquelle il est dit qu'elle est vaine, c'est parce qu'elle n'a pas produit du fruit. Conduis-nous sur le chemin de la vérité. Sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.